Salut tout le monde, c'est Mister Rafa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mind City. Donc ça avait en effet coupé au moment où on cherchait un pot de fleurs. Donc tout d'abord ce que nous avons fait, c'est qu'on va essayer de trouver ce pot de fleurs qui doit normalement être là. Il doit être là, voilà, nous avons notre pot de fleurs. Et maintenant nous allons prendre le... Par où, c'est chiant. Oh, les verts. Vert, ça a l'air pas mal. Ouais. Ça va, ça va. Oh, calme. Non, on peut pas le faire sous soi, c'est bien ce que je me disais. Tac, 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 tac. Voici une belle petite chambre. Normal, quoi. Avec un pot de fleurs là. Et un pot de fleurs là. Et quelle fleur allons-nous mettre dedans? Je propose de mettre celle-là. Et... Elle est un coquelicot. Voilà! Donc les amis, il est 18h39. C'est bientôt le match. Enfin, c'est à 21h. Nous avons encore amplement le temps. J'espère que vous avez un peu tous fait vos pronos. J'espère que vous allez gagner surtout. Ah bah putain. Je suis un peu crevé moi. Et donc on avait dit qu'on voulait faire deux choses il me semble. Donc il y avait ça, voilà, cette magnifique salle, cette magnifique villa. Et donc nous avions aussi la salle de massage. Le seul problème c'est que je ne sais absolument pas comment. Salle de détente, c'est l'endroit de détente, vous savez, il en faut toujours un. C'était mieux avant. Oh non. Faire au moins une fois plus grand. Voilà. Parfait. Nous avons déjà le spa. Désolé, mais de l'eau avec des bulles, je peux pas. Hein. Voilà, je peux faire ça. Oh merde! Voilà, je peux faire ça. Si ça vous intéresse, je peux inonder votre maison. Merde. Hop. Là. C'était à côté. Non. Ok. Et donc, nous avons notre spa ici. Et après, on sort. Donc, il y a un petit tapis blanc. Voilà. Ça, on... mais sur le tapis on s'essuie. Et ici il y aura donc cette fameuse salle de massage. Hop les. Hop hop hop, voilà, faut se mettre ici. Eh bien, les amis, je pense que l'intérieur de cette villa est terminé. Voilà. Nous avons fait l'intérieur. Maintenant, évidemment, il nous reste à faire l'extérieur. Donc, on avait, oui, spécialement mis un petit bloc. Pour pouvoir délimiter... le terrain qui sera largement assez grand finalement. Finalement on va même le faire jusque là. C'est tellement grand. Il y a la place quoi. C'est space.
Allez, ça c'est long, bah vous verrez hein, au fur et à mesure ce que j'ai l'intention de faire. Bah il y a beaucoup de choses déjà dont j'ai l'intention de faire. Je commence à faire du ribéry, vous voyez, je commence à essayer de parler français, à vivre dans un pays, mais à pas savoir parler la langue et à gagner des millions quand même. Bon, il les gagne plus dans ce pays parce qu'il est plus en France maintenant, il est au Bayern. Tant mieux qu'il se soit cassé d'ailleurs, ça fera pas de mal. Voilà. Hop. Bon là, ça va être assez chiant parce qu'il va falloir enlever tous les blocs d'herbe autour de la zone que je viens de délimiter. On fera le rab après, hein, ce qui reste. Pour l'instant, on fait le plus gros. Oh là. Ok. On va. Je me suis arrêtée à cause de ça là. Allez, épée en diams. A pu. Ok, donc. Bon, on en a trois déjà. Trop loin. Ok. Et ben voilà. C'est déjà pas mal, hein, pour l'instant. On a réussi à assez rapidement finalement faire ok. Donc j'avais dit dans le dernier épisode, dans le prochain épisode, je ferai le fleuriste et la mairie. Bah voilà quoi. Du coup, vu que ça c'est en deux parties, alors que c'était pas prévu, hein, comme l'avait et comme quelqu'un me le demandait dans les commentaires, en effet, c'était juste parce que ça avait coupé un imprévu, donc j'ai même pas pu faire de sortie, c'est un peu dommage. Voilà quoi. Hein. J'avais en plus supprimé un peu avant des vidéos pour être sûr d'avoir assez de stockage et pouvoir faire au moins 1 heure. Bah, je crois que si je faisais pas, je faisais 1 seconde de plus et c'est fichu. Parce que par contre, il va me falloir de l'herbe. Merci. Maintenant qu'on a ça, voilà. Autant. Voilà, donc on coupe l'herbe. Enfin, on coupe l'herbe. On enlève l'herbe pour mettre du quartz. Oui, on met du quartz sur la maison et dans dehors. Pour vous, c'est pas logique, mais vous comprendrez. Vous allez comprendre plus tard. Pour l'instant, vous pensez que je suis un gros con. D'ailleurs, juste pour préciser, à la base, cette villa devait être un immeuble. Hein, si vous vous en souvenez bien. Si vous vous en souvenez bien. Quand on regardait le truc, ils ont dû se dire, mais pourquoi ils parlent d'immeuble alors que c'est une ville là? Mais en fait, c'était un problème
Et de toi, faut regarder le premier épisode, c'est compliqué à expliquer. Enfin, c'est long à expliquer. Hop. Voilà. Hop. Hop. Donc, j'ai fait un petit test. Voilà, parce que je teste avant de faire des vidéos. Pour la célébration. Vous savez, la célébration après le match. Il y a un tout petit problème. Mais un vraiment tout petit. Vraiment pas énorme. Un seul. Mais en fait, il est énorme. C'est qu'on voit rien dans le noir. Même avec la luminosité à fond. Même avec la luminosité à fond, on ne voit que dalle. Alors, je sais pas d'où ça vient. Bah, c'est peut-être parce que c'est tellement... comment ? C'est tellement sombre que... Voilà. Mais du coup... alors, soit... Il y a deux options. Je fais un fête chez moi. Ce qui va être tout à fait impossible. Du coup, déjà, on enlève cette option. Non, parce que ça va être un peu impossible parce que... Non. Même dans ma chambre, non. Non. Enfin, si. Dans ma chambre, ce serait possible. Le problème, c'est que... Je pense même que ça va être le soir même. Donc, juste après. Non, je ne ferai pas de loto. Je ferai pas le tirage au sort. Non. Il faudra que je passe aspirateur. Donc, non. Non. Ce que je pense, c'est que j'ai essayé de trouver une lampe torche. Si jamais je ne trouve pas de lampe torche, je le ferai comme ça. Et oui. Ce serait pas marrant de vous montrer le lendemain matin. Ou de le faire le lendemain matin, ça perd tout son charme, on va dire. Mais... Parce que... Match, il va se finir à quoi? Au mieux, 22h45. 22h45, je suis pas sûre qu'il y ait encore des feux dans mon village. S'il y en a encore, je me dépêche. S'il y en a plus, voilà quoi. Déjà, c'est même pas sûr que je vais réussir à prendre la tablette dehors parce que... Qu'est-ce que tu vas faire avec la tablette dehors? Prendre des selfies. Je ne suis pas sûre que ça marchera. Bon, mais normalement, je devrais réussir tout de même à prendre la tablette dehors. Ça n'est pas le problème. Le truc, c'est qu'il faudrait que je prenne une lampe torche. Le truc du 14 juillet, il n'y a pas de soucis, c'est en plein jour. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Merde. Oh, des pétards, c'est pas compliqué. Hein. Je vais en acheter d'ailleurs samedi. Ouais, je pense que je vais y aller samedi. Je suis con. Nous sommes déjà dimanche. Et c'est jeudi. Je suis con. Donc je sais pas quand est-ce que je vais y aller en réalité. Je sais pas, j'irai peut-être mercredi, tiens. Mercredi après-midi, j'irai acheter quelques pétards parce que... Du coup, je ne sais plus ce que je... Oui, si je trouve une petite lampe... ouais, une petite lampe torche. Oh, ça doit se trouver chez moi, il n'y a pas de souci, mais... Mais voilà, quoi. Si il y a une lampadaire, il n'y a pas de souci, je file et si ça s'éteint, bah je suis dans la merde. Mais, non, normalement, ça devrait pas s'éteindre si vite. Mais, en tout cas, les amis, je peux vous annoncer quelque chose, c'est qu'on a fini. Normalement, on a tout fait. Ah, bah non, ça, on peut le laisser. Non, oui, je me... Ah oui, c'est vrai qu'on avait pas fini là. Bon, il en reste plus qu'un. Un peu de courage. C'est pas grave. C'est pas long en plus. Parce que regardez, hop.
Voilà, on a déjà plus que ça à faire. Hop, voilà. Et ça s'en va hyper vite en fait. Heureusement. Hop, un truc là, ouais, si, hop, hop. Et enfin, le dernier. Oh, voilà. Hop, c'est assez long. C'est assez long car il est déjà. Ça fait déjà 15 minutes. Ouais, je vais vraiment faire que ça parce qu'en plus, c'est comme je viens de vous le dire. Assez long. Toi, tu as envie de faire comme l'autre, en gros, t'as envie de crever, voilà. Plus aucun sens de la vie, les moutons. C'est quand même assez embêtant. Là là. Et donc, voilà. Donc j'ai avancé un peu parce que je suis obligée de faire quelques ellipses parce que ma mère cherche un t-shirt à mon frère qui était censé repasser et elle sait pas où elle l'a foutu et elle croit qu'elle l'a mis dans mes affaires. Pourquoi? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle croit ça. Je veux dire, oui, c'est tout à fait normal qu'il pourrait être avec les affaires de Raphaël, oui, c'est fort probable. Et voilà les amis. Bon allez, c'est un petit bassin ça. Hein, et c'est reparti pour un tour. Je vais encore être obligée de faire une ellipse. À ce rythme-là, on va faire plusieurs bâtiments. Où le ballon, il est où? Bon, ça va pas durer très longtemps, mais bon. Allez, on continue. D'accord, donc nous avons fait une magnifique petite piscine. Ah oui, en effet, ça dure pas très longtemps du tout. Voilà, splendide petite splendide petite piscine. Voilà. Bah, petite parce que j'ai pied. Voici la seule raison hein, pour laquelle j'ai dit petite. Merde. Alors, si, oui, alors j'avais oublié de faire quelque chose parce que du coup j'ai oublié avec toutes ces coupures. Je voulais faire une small véranda. Alors, est-ce que ça fait beau? J'en sais rien. Moins ça remplit. Non, mais ça fait beau quand même. Là, ça fait une petite allée. Parfait. Une petite véranda, hop. Avec la porte juste là. Il est où le bonheur? Il est où? Je sais pas, j'ai cette musique dans la tête. Alors disons qu'aujourd'hui, ils l'ont passé 4 fois. Sinon, tout va bien. Voilà. Chase, arrête.
de te mettre n'importe où. Nous avons donc eu une petite piscine, une petite véranda. Après, je sais ce que je vais faire là. Par contre, de l'autre côté, je sais pas encore. Je pense que de l'autre côté... Bah ouais, mais c'est con d'avoir retiré toute l'herbe dans ce cas-là. Non. De l'autre côté, je ferai aussi un truc... Je sais pas encore ce que je vais faire... Je ne sais point. C'est vrai, ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ah bah oui! Ah bah si! Ah bah si. Bah, c'est juste que c'est absolument pas logique. Vous allez comprendre. Ah bah si! Bah si! Mais voilà, il y a toujours une solution. Sauf au problème d'après. Mais ça, on verra. Bon, on fera peut-être rien dedans. Du coup, c'est un peu con d'en avoir, mais... Oui, là vous devez rien comprendre, c'est tout à fait normal. Bon, et je peux vous le dire, ici j'ai envie de faire une pergola, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous verrez bien. Bah, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est une pergola, c'est bien cool, ça protège du soleil. Bah, vous verrez bien, hein. Et en fait c'est des lattes, là ça va être des blocs, mais d'habitude c'est des lattes qui peuvent se bouger en fonction de l'inclinaison du soleil, pour nous mettre à l'ombre. Et nous, on a même rajouté un petit ventilateur au cas où il fait très chaud. Donc, c'est totalement gratuit hein, sur Minecraft. Ça coûte 15 000 euros en vrai. Voilà. Ouais, il y a des pergolas moins chères. Après, nous, c'est une bioclimatique. Donc, ça change peut-être des choses. Je sais pas. C'est peut-être plus cher. Je sais pas. Il faudrait que j'aille chercher le prix d'une autre. Que j'aille voir sur internet. Voir combien ça coûte en. Hein. À peu près, tac. Ouais. Bah là, du coup, je dois remplir partout. Et pour le prochain, ce sera pareil. Mais peut-être pas avec la même matière, car je vous l'ai pas dit, parce que le prochain, ce sera un garage. Le problème, c'est que si je prends le temps de faire une voiture, la vidéo, il va y avoir une partie 3. Obligé. Du coup, bah voilà. Et vous imaginez qu'on est déjà à 22 minutes et qu'on a fait plein de coupures. J'ai fait quand même quelques trucs en off et tout. Donc, voilà. Hop. Donc là, ma mère se douche. Ce que je vais devoir faire bientôt aussi. Alors on a fait une petite pêche tout à l'heure, hein. Donc nous avons attrapé une petite carpe de 50 cm. Combien elle pesait? Merde. Je crois que c'était 50, hein, bien la carpe. Mais après c'est tous des petits gardons, des trucs comme ça. Après on a un peu pêché au lancer, mais pas beaucoup. Et le reste on a pêché à l'ancienne, on va dire. Mais on a pêché 14 petits poissons. Pas de brochet, non, pas de brochet. Comment ça s'appelait? Merde. Il y avait les carpes et l'autre, comment ça s'appelait? Ah merde, je me souviens plus du nom. C'est pas moi qu'en ai pêché. Moi j'ai pêché une carpe. J'ai mis je sais pas combien de temps à la remonter. Mais je sais plus comment ça s'appelait. Après, il y avait des petits poissons. Il y avait un poisson qui était censé être petit, mais qui faisait quand même 25 cm. 25-30 même. Je sais plus ce que c'était. J'ai pas demandé en même temps. Comment ça s'appelait? Une perche, voilà. Une perche. C'est pas moi qui ai pêché la belle perche, quand même. 30-40 cm. Je sais pas. J'ai jamais vu de perche, j'en ai jamais pêché non plus. Je sais pas combien ça peut, jusque combien ça peut aller, mais ça va. C'était une bonne journée de pêche, hein. On a commencé à 10h, on a fini à 16h. Je vous dis juste, à midi et demi, on n'avait rien. On n'avait rien eu le matin, on se dit, oh là là, la journée. Et puis l'après-midi, c'était parti. J'ai très peu pêché au lancer, moi. J'étais
souvent sur ma canne et quand je me faisais chier que j'avais pas de poisson. J'en ai pêché 4 des petits poissons plus. Plus un gros lancé. Donc. Ouais, on va pas faire un truc moche. Hein. Ça va être assez haut. Faut pas voir ça en fait. Et tu te dis, ouah, c'est super beau. Et là, tu vas sur le toit. Oh. Je passe à moi sur mon toit. Ça fait plus beau. Oui, mais toi, t'as des blocs de charbon. T'as des torches dans ta maison, connasse. C'est quoi ça? Obsidienne? Non, pas obsidienne, non. On va prendre ça. Hop. Sauf que ce que je vais mettre par du verre, d'habitude, c'est des volets qui. Bah, des volets roulants qui se baissent ou qui se montent. Je pense que vous n'avez rien. Putain, je suis vraiment con, moi, en fait. Hop. Faudrait que je me dépêche quand même. Hop là, les amis, ça c'est fait. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que je vais mettre là. Oui, on peut fermer totalement ou alors on peut. Légèrement ouvrir, ouvrir à moitié, légèrement ouvrir mais de l'autre côté, ou mettre en bioclimatique, c'est presque fermé, mais juste assez pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Et pas de soleil. Et pas de soleil dans les yeux. Nous on a même une innovation, c'est des lampes aux dalles. Enfin au truc qui est... oui voilà quoi. Voilà donc. Comme je vous l'ai dit, ce que je remplace là par du verre. Du coup, j'aurais peut-être dû en mettre un là-bas. Oh. Là, j'ai envie de dire... Trop tard. Non, mais là, c'est vraiment trop tard, en fait. Ça fait pas très beau avec la baie vitrée, mais bon. Oh bah non! Il fait moche. J'allais faire mon garage. Il faut pas qu'il fasse moche pour mon garage. Voilà quoi. 19h22. Bon, on peut ouvrir que d'un côté. Là, on va dire que c'est ouvert de l'autre et fermé de celui-là. En réalité, c'est que j'ai la flemme de faire l'autre côté. Mais rien que pour vous, finalement. Je vais m'empresser de le faire. Tac. Hop. Non, parce que j'ai très envie de passer au garage finalement. Au garage que je ne vais peut-être pas faire, j'hésite. Je vais peut-être pas le faire maintenant. Surtout. Encore un garage, ça va. Mais après, il faut mettre tous les meubles à l'intérieur. Ouais, chaud. Non, je vais faire un autre truc derrière le garage. Je sais pas encore quoi. Et je ferai le garage en off. Ouais. Hop. 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 Et hop. Allez, ils sont riches, hein. On se le permet. Oh merde. Moche. Hop là. Et ici, on va mettre notre charmante petite table.
Oui, j'en fais trop. Et notre petite nappe sur la table. Hop. Est-ce que ces personnes aiment bien les fleurs? Oui, ils aiment bien les fleurs. Hop. Oui, on va dire qu'ils aiment bien les fleurs. Même si ce n'est pas des véritables personnes et qu'elles n'existent pas. On va dire qu'elles aiment bien les fleurs. Donc bleu, bleu. Voilà, j'ai fini. C'est beau, n'empêche. Ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je suis content. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre derrière un garage? Au pire, les amis, je vous propose que je vais faire qu'un garage ici et que ce fameux garage, je le fasse en off. En tout cas, les amis, nous avons terminé notre maison après 31 minutes de plus que les 51 d'hier. Donc, ça fait en tout 82 minutes, ce qui fait je sais pas combien d'heures et de minutes. Et 1h32, je crois. 1h22. 1h22 pour faire cette belle petite maison. Voilà, donc je vous fais visiter une dernière fois. D'en haut, je veux bien, mais bon. D'ici. Voilà, donc nous avons cette piscine là. Ensuite, nous avançons, nous avons la pergola avec la table, les petits pots de fleurs. J'aménagerai ça hein, et là il y aura le garage. Évidemment, j'ai mis une baie vitrée. Je vous refais visiter l'intérieur. Hop. Donc ici nous avons le coin. Donc nous arrivons là. Nous avons le coin salle à manger. Ici nous avons la cuisine. Merde. Avec beaucoup de bouffe. Ici, enfin, attendez, on ressort toujours sur les tapis. Nous avons le coin cinéma. D'ailleurs, petite et dernière chose, le tapis il est de quelle couleur? Allez, noir. Parce qu'on, voilà, qu'on n'ait pas les pieds sur n'importe quoi, hein. C'est important. Ces personnes sont tout à fait propres. Elles ont bien évidemment une douche. Non, je rigole. Non, elles n'ont pas de douche. C'est vrai en plus. C'était quoi ce bruit par contre? Il y a eu un gros bruit. Et donc ici, nous avons le coin soin. Alors le coin soin... Bon, là, c'est la seule fois où on marche dessus. Hop, là, on se sèche sur le petit tapis. Et là, nous avons le petit salon de massage. Donc, voilà, les amis, on se quitte. Attendez, panorama, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, panorama. Même s'il fait moche, nous allons quand même avoir un beau panorama. Hop. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que cette partie 2 de Min City, on construit une villa, vous aura plu. Donc, que cet épisode 6 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!